Bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau live créatif. Comment allez-vous tous aujourd'hui? Alors, il manque un petit peu de lumière ici. Hop. Alors, est-ce que tout le monde est là? Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? On va attendre que quelques petites secondes le temps que tout le monde se connecte. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver cet après-midi pour un nouveau live. Alors dites-moi, comment allez-vous tous? N'hésitez pas surtout, on va commencer par ça, parce qu'à chaque fois, je suis embêtée chaque semaine, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas toujours de retour de vos commentaires. Donc, ah, ça y est, ça commence à arriver. Oui, ma coco, bonjour, bonjour. Coucou ma Sandrine, bonjour Pascal. Plein de courage à toi, ma coco. Ça a l'air de fonctionner, les commentaires, donc c'est super. On va pas s'attarder dessus. Je vais essayer de faire en sorte d'adapter tout ça. Coucou Ticia, comment ça va? Bonjour Marja, coucou Mimi. Hello Tito. Je suis super contente de vous retrouver pour ce nouvel live cet après-midi. Pour celles et ceux qui me rejoignent pour la première fois, d'abord je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Et donc je suis Harmonie Marais, démonstratrice chez Stampin' Up depuis janvier 2020. Coucou tout le monde, bonjour Rachel, coucou Mumu, hello Christine, bonjour Cathy, hello Fatou. Mumu. Tu n'as pas de son. Est-ce que tu es la seule à ne pas avoir de son? Ça va, ma Cathy? Bonjour, Christine. Coucou, Viviane. Hello, Fatou. Ça va, ma Bichette? Ça va, Cathy? Alors. Son, ok. Bon, ok. Midi, tes nouvelles, mais quelle coquine elle. Mais tu es en forme aujourd'hui. Bonjour Céline. Bonjour Jacqueline. Bonjour Margot. Comment ça va? Bonjour Marianne. Ok, reconnecte-toi, il n'y a pas de souci. Coucou Laurence. Bonjour Maritine. Je suis super contente de retrouver tout le monde. Bienvenue, bienvenue. Surtout, n'hésitez pas si vous avez envie de partager cette vidéo pour inviter plein d'autres personnes à scraper avec nous et passer ce bon moment ensemble. En tout cas, j'espère vraiment de tout cœur. Bonjour Marianne, comment ça va? Super. Bon. Oui, ça fait longtemps que t'as pas suivi de live, ma belle. C'est clair, tu m'avais manqué. J'espère que tu as passé de bonnes vacances, en tout cas. Et petit aparté, ta recharge est partie. Voilà, donc tu vas l'avoir bientôt. Je suis très contente de retrouver aussi ma petite Sandrine qui m'avait manqué aussi pendant les lives. Ça y est, la rentrée approche, hein, donc on est tous en train de se préparer à tout ça. Coucou Muriel, comment ça va ma belle? Et puis, puis voilà, nos chers bambins vont enfin retourner à l'école. Ok. Je les adore, mes chéris. Mais vraiment, je vous avoue que j'ai hâte qu'ils reprennent le rythme de l'école, qu'ils aillent à l'école le matin, qu'ils soient occupés, qu'ils se lèvent. Voilà, je suis sûre qu'il y a plein de mamans qui sont dans le même état d'esprit que moi. Coucou ma Fabienne, bonjour Corinne, bonjour Martine, coucou Pascal, hello Karine, je suis super contente, tout le monde revient. C'est un vrai bonheur de vous retrouver. Tout le monde était parti en vacances, certaines y sont encore, donc surtout profitez, profitez au maximum. Et puis voilà, on va retrouver un petit rythme à peu près normal. Oui, il fait super beau, c'est agréable, ça fait du bien. Coucou Camille, bravo pour la réponse à la question ce matin. C'est super. Oui, Coco, hein, vivement l'école, hein, on est d'accord. Vivement l'école. Alors, dans les petites nouvelles cette semaine, eh bien, écoutez, ça, ce n'est pas nouveau. La Celebration est toujours d'actualité et ce jusqu'au 30 septembre. Donc, pour ça, bah, du coup, vous avez plein de solutions. La première,
Pour avoir des cadeaux, donc dès 60 euros d'achat, vous avez droit à plein de petits cadeaux qui sont vraiment super top, comme le set de tampons des moutons, les poinçons qui vont avec, des super papiers design. Vraiment le top. Donc ça, n'hésitez pas, à partir de 60 euros d'achat ou 120 euros, vous avez des super cadeaux jusqu'au 30 septembre. Donc ne tardez pas pour vous faire plaisir. Mais aussi, si vous voulez devenir démonstratrice, vous avez droit aussi à des petits cadeaux. C'est-à-dire, vous avez le droit en fait de choisir un lot parmi ceux de la liste qui est affiché à l'écran. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est des lots qui sont à pas à moins de 57 euros si je ne me trompe pas. Coucou mon tonton, plein de bisous à toi, à plus tard. Coucou Muriel. En plein réagencement, Camille, t'as bien raison, ça fait toujours du bien à la rentrée. C'est un vrai plaisir de réagencer et réorganiser nos espaces. Coucou Maryse. Bah écoute, oui, ça va. Je vais plutôt bien aujourd'hui, c'est cool. Je me prépare tranquillement, plus ou moins, à faire la convention backstage avec Stampin' Up. Donc là, on est toutes les démonstratrices regroupées, enfin presque toutes en fait, sur plusieurs, alors je ne vais pas dire jour, mais je vais bien dire nuit. Et oui, sur plusieurs nuits, puisque les conventions auront lieu la nuit, en visio, et du coup, voilà, on est calé sur les Américains, donc les futures nuits vont être courtes. Très très courte, et malheureusement, certaines d'entre vous le savez, je devais rejoindre Aude pour ce backstage. Malheureusement, je ne pourrais pas, puisque bah, y a les enfants, donc c'est un peu plus compliqué que prévu. Oui, ma Sandrine, en plus en septembre, tu vas être hôtesse du club des Blends, alors tu vas pouvoir t'éclater avec ta commande. Ça va être trop bien. Oui, oui, c'est la même convention que Aude, effectivement, oui, on fait tout ça. Voilà. Et puis, vous le savez, je lançais un nouveau projet, la box mensuelle, qui démarre donc en septembre. Il me reste 3 ou 4 box, hein, parce que vous savez, le stock était limité. Donc, il doit en rester 3 ou 4 maximum. Vous avez jusqu'au 27 pour vous inscrire si ça vous intéresse. Voilà, voilà. Allez, je vous propose qu'on démarre le petit projet. C'est quelque chose de très simple, encore une fois. J'aime bien vous proposer en fait des projets assez simples à la base, mais qui vous permet de les réaliser en fait assez rapidement, assez simplement, et puis aussi de les adapter en fait à plein d'occasions. Et en l'occurrence, cette petite boîte. Cathy, je te compte? Ok, ma belle, il faudra que tu remplisses le formulaire, ma bichette. Ouais, je vous ferai un débrief à des heures récentes. Non, non, je vais vous faire le débrief à la fin de la nuit à 4h30. Il n'y a pas de raison. Coucou Evelyne, ça va ma belle? Du coup, j'en ai perdu le fil avec tout ça. Oui, donc la boîte, pas de problème. Pas de problème, ma Cathy. Vous pourrez l'adapter pour un anniversaire, pour une fête, pour Halloween. Pour Noël, enfin bref, vous allez voir, vous pourrez vous éclater en réalisant cette petite boîte rapidement pour faire des petits cadeaux, ça va être super sympa. Vraiment, vous allez voir, c'est super simple. Je vous remontre donc la petite boîte, voilà comment elle se présente. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas la perforatrice pour faire la petite découpe ici, vous pouvez très bien jouer avec vos ciseaux par exemple. Ou vos poinçons aussi, il y a plein de possibilités, vous le savez. Donc voilà, elle va s'ouvrir comme ceci, vous allez voir. Donc par rapport à ma main, elle tient dans ma main. Voilà, ça vous donne une petite idée de la taille. Alors lorsqu'elle est posée, on est à peu près à 13 par 5 en moyenne. Voilà, coucou Isabelle. Hey, coucou mamie. Il y a ma mamie sur le live. J'ai hâte de recevoir. Oui, la box, ça sera dans les 15 premiers jours de septembre. Corinne, tu dors à 4h30 du matin? Mais comment ça? Mais quelle idée? Mais non. Je ne suis pas d'accord. Je vous enlève ma souris, je suis désolée. Alors, cette petite boîte, vous l'avez probablement réalisée. Je l'ai
faite avec la super collection cueillette de pêche. Vous le savez, je l'aime beaucoup cette collection. Elle est vraiment très belle, très colorée, très, si je puis me permettre, pêchue. Bon, ok, elle était facile. Avec des magnifiques couleurs. Donc ça, cette collection, elle est dans le catalogue annuel. À la page 60, des papiers 30-30. Ici, vous avez à chaque fois les papiers présentés en recto verso systématiquement. Coucou Daniel, comment ça va? Et ici, je vous ajoute toujours les papiers unis coordonnés au papier design. Donc on est sur du béguin bleu, beau bourdon, corail calypso, couleur café, mélodie de mangue, papaye pâle, pétale rose et pour finir, le très beau riche raisin. C'est d'ailleurs la couleur que j'avais pris pour la base de ma petite boîte ici. Voilà, voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé, justement, je vous ai expliqué tout à l'heure, je vous ai dit, on peut créer ces petites boîtes en fait pour plein d'occasions. Alors, vous allez me dire, ok, on est juste au mois d'août, pourquoi penser Halloween? Mais pourquoi pas? Parce que vous le savez, une fois que la rentrée est arrivée, le temps passe à une vitesse phénoménale. Donc, on peut déjà commencer à chercher des petites idées, etc. Donc, aujourd'hui, je vais créer cette petite boîte pour Halloween. Vous allez voir, donc, avec la super collection Halloween. C'est parti! Regardez. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer les tampons et les poinçons, évidemment, avec la collection des pêches. Mais enfin, suis-je bête? Toujours aussi magnifique, hein, ces tampons et ces poinçons avec des sentiments magnifiques, une police d'écriture superbe. Ici, vous avez donc les découpes. J'ai perdu. Voilà. Des petites feuilles ici aussi, vraiment superbes. Et donc, nous partons maintenant sur la collection Halloween qui, elle, se trouve dans le mini-catalogue août-décembre, pardon. Donc, celle-ci, vous la trouverez à la page 51 de votre mini-catalogue. Hop, ce sont cette fois des papiers au format 15-15, donc faites attention, hein, c'est une petite info qui peut vous être utile. Pareil, même principe, recto-verso pour la présentation. Je crois que mes commentaires m'ont encore abandonné. Oh, est-ce que vous êtes toujours là? Donc, voilà cette super collection d'Halloween, très sympa je trouve, avec bien sûr les papiers unis coordonnés. Flamant fougueux, tarte au potiron, vert olive, horizon bruyère et noir nu évidemment. Voilà ce avec quoi je vais travailler aujourd'hui. Et bien sûr, vous le savez, cette fois, c'est un set de tampons, voilà, avec de quoi tamponner les contours, mais aussi coloriser l'intérieur de nos petits personnages, donc la citrouille, le petit chat, la tête de mort et également le petit fantôme. Et toutes ces petites parties-là servent à faire les yeux, les oreilles. Ici, on a les petites oreilles, en fait, pour coloriser les oreilles de chat. Ici, nous avons la tête, en fait, si on peut appeler ça la tête, les yeux et la bouche de la petite citrouille. Ici, nous avons deux possibilités, en fait, pour la tête de mort. Donc ça, c'est pas mal. Et ici, nous avons la petite tête pour notre petit fantôme. C'est vraiment une collection d'Halloween qui est super sympa, je trouve. Alors, ce sont les marabouts qui m'enlèvent les commentaires, je sais pas, mais c'est insupportable. Vraiment, depuis quelques temps, c'est une horreur. Ça fait un mois et demi qu'il y en a à chaque live. Je sais pas si mes collègues démo ont le même souci, mais alors, c'est infernal. Alors, merci beaucoup à celles et ceux qui les ont signalés, c'est vraiment pénible. Sandrine est à fond, elle va les traquer. J'adore. Et bien sûr, cette fois, on a une perforatrice qui est coordonnée. Hop, ce ne sont pas des poinçons, mais bien une perfo pour la citrouille, le petit fantôme et la tête de chat. Voilà, voilà. Plein de matériel pour s'éclater pour Halloween, vous allez voir. Merci beaucoup, beaucoup hein, de les signaler, ces vilains marabouts là. C'est quand même hallucinant. Je pense qu'on n'est pas à l'abri d'en avoir d'autres pendant le...
le live. Du coup, ça doit bloquer certaines personnes aussi, c'est assez pénible. Hop. Et c'est reparti pour un tour. Oui, c'est vrai que t'as rêvé que tu te castagnais, toi. Evelyne en a déjà signalé 4. Non, mais c'est hallucinant, quoi. Je sais pas comment faire. Va falloir que j'essaye de me renseigner plus que ça parce que c'est horrible. Horrible. Bon, allez, c'est parti. Je vous affiche à l'écran les mesures. Je me bats avec ma souris en plus. Voilà. Il y en a aussi sur d'autres lives. Ouais, bon, bah, ça me rassure de ne pas être la seule, je vous avoue. Mais enfin, j'espère qu'on va réussir à s'en débarrasser à un moment donné quand même. Alors, ici, comme d'habitude, je vous indique les mesures des papiers nécessaires pour la réalisation de la boîte. Vous avez vu, il vous en faut très très peu. Donc, vous pouvez aussi jouer avec vos chutes de papier design, puisque du coup, les morceaux de papier sont vraiment très petits. Donc, ça peut être hyper pratique pour éviter le gaspillage. Alors, c'est parti, je prends mes papiers. Hop, et regardez, j'ai décidé de faire la base de la boîte avec le super papier pailleté noir. Je trouve ça top. Ça change un petit peu du noir nu, ça va être un peu plus péchu, je trouve. Du coup, voilà, ma base va être avec ce papier pailleté. Là, pas besoin de rapprocher, hein, vous le voyez superbement bien à l'écran, je crois. Et les papiers ressortent du coup super bien. Regardez, sur le papier noir pailleté, ça risque d'être assez sympa. Comme ruban, je vais prendre le ruban coordonné, le Vichy noir et blanc. Avec une petite astuce en plus que je vous montrerai après, bien sûr. Pour la fermeture de la boîte, je vais utiliser étiquette charmante, donc la perfo. Mais encore une fois, si vous ne l'avez pas, amusez-vous avec le bout de votre boîte, vous allez voir, pour faire des petites formes et tout, sans aucun problème. Merci ma Sandrine. Ouais, il est super sympa ce papier, vraiment, il est vraiment top là pour Halloween, c'est vraiment bien. Et puis je pense que même on peut jouer avec pour Noël aussi, notamment avec Endroit Paisible. Je pense que ça peut être aussi sympa. Alors, je mets mes papiers design de côté pour l'instant. Voilà. Hop, ma petite citrouille, donc je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc le set de tampons. Donc j'ai tamponné le contour avec tarte au potiron. Est-ce que je le vois mieux là? Tarte au potiron pour le contour. Pour l'intérieur, toujours tarte au potiron, mais en deuxième génération en fait. Ce qui veut dire que j'ai déjà tamponné une première fois sur mon brouillon et une seconde ensuite pour que ce soit un petit peu moins marqué. Et puis après, tout simplement, la tête en noir et j'ai découpé avec ma perfo. Donc ça, c'est sympa encore. Hop, alors, vous inquiétez pas, je réactualise régulièrement en fait ma page. Parce que du coup, j'ai toujours ce problème, hop, de commande. Donc voilà cette jolie citrouille. Pour l'étiquette, vous le savez, on a un lot de poinçons étiquette qui est vraiment super sympa. Est-ce que je l'ai sous la main vite fait là? Je l'ai sorti tout à l'heure. Non, c'est des petites tags. Ça aurait été trop simple hein, si je l'avais pris du premier coup, n'est-ce pas? Bon bref, on a des étiquettes comme ça de différentes tailles qui sont vraiment super sympas et idéales pour ce genre de projet. Et donc du coup, je me suis servi du set de tampons. Ici, j'ai colorisé en plusieurs couleurs. Et puis vous avez vu la petite araignée là qui fait vraiment tout son effet. Elle est vraiment trop cool. Voilà, voilà. Bien. Allez, on attaque la base de la boîte. Tout de suite, je prends mon coupe-papier. Voilà. Je vais le laisser dans ce sens-là. Hop. Et on va démarrer avec les plis. En fait, on a quelques plis à faire, 2-3 petites découpes et ça sera réglé. Alors, je vous affiche le schéma pour que vous ayez un aperçu. Voilà en gros ce que ça va donner pour les pliages. Oui, les poinçons tag étiquette, t'as vu, hein, c'est vraiment top ça. Vraiment super pratique pour nos étiquettes. Hop,
Allez, c'est parti, on démarre. Je vais. Maintenant, je pense que vous avez vu le schéma, ça va vous aider. Hop, en gros. Je vous l'ai fait aussi en version papier parce que c'est vrai que à l'écran avec le papier noir, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Donc, on est sur une base de papier déjà de 28 par 20,3. OK? Et voilà ce que ça va donner une fois que nous aurons fait donc tous nos plis et que nous allons découper. On va se retrouver donc avec toute cette partie-là. OK? Ça marche pour vous? Alors, c'est parti. On y va. On positionne. Alors, j'ai un souci avec ça. J'aimerais que vous arriviez à voir comme il faut. Voilà. Donc, on commence par les plis sur le bord long. Notre premier pli est à 5,1. Un pli à 5,1. J'y vais en douceur sur mon papier pailleté. Ouais. La deuxième est à 7,6. 5,1. 7,6. La troisième à 20,3. Voilà. Hop. Comme d'habitude, on a la petite Sandrine qu'on adore qui nous met nos petites mesures. Coucou Delphine. Et la dernière sur le bord long est à 22,9. Je tourne mon papier au niveau du bord court et maintenant je fais un pli toujours à 5,1 pour le premier. Pour le deuxième, 7,6 pour le deuxième, 12,7 pour le troisième pli du bord court, 15,2. Je répète les mesures sur le bord court en parallèle de Sandrine. 5,1, 7,6, 12,7 et 15,2. Voilà. Donc là, ça y est, mes plis sont faits. Je peux mettre mon coupe-papier de côté. Alors, hop, j'essaye de récupérer vos commentaires de l'autre côté, mais assis peut-être là. On va faire comme ça. Ok, donc vous voyez maintenant que les plis sont faits, ok, on se retrouve avec ça. Voilà ce que l'on va faire. Tous les traits blancs qui sont marqués, en fait, vont être des découpes. D'accord? Alors, je vais vous laisser ça à l'image pendant que moi je les coupe en même temps. D'accord? Ça va vous aider et vous verrez probablement mieux que si vous me voyez découper. Ok? Alors, c'est parti. On y va. On se lance dans la découpe. Hop. Si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Je me sépare des petites languettes. Hop, sur le schéma ici, quand c'est en biais, vous savez, hein, on découpe en biais, on biseote un petit peu nos languettes. Tiens, j'ai oublié de le faire ici. Mon crayon blanc est là. Hop, voilà. C'est juste un oubli, bien sûr, il faut le faire aussi, voilà.
Alors, Pascal, tu n'as plus du tout de commentaires. Ça, c'est un problème. Reconnecte-toi, je pense que ça ira mieux. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous vous en sortez? J'ai commencé, voilà, j'en suis là et vous faites pareil. Voilà, j'espère que le schéma vous aide. Coucou Christelle. Alors, je ne vous cache pas que sur le noir, c'est pas ce qu'il y a de plus évident, mais je suis sûre que ça va donner tellement bien que je ne vais pas regretter. En fait, j'y vais doucement avec mon papier pailleté, parce que je veux vraiment pas l'abîmer. Peut-être que je vous gêne, en fait, finalement, le fait de vous avoir mis le schéma, ça vous aide, mais si je me colle devant, forcément, ça va pas vous aider du tout. Coucou Isa, comment ça va, ma belle? Toi, tu vois que tes propres commentaires, Sandrine. Ah, bah ça complique les choses aussi, ça. Toi, tu feras la pratique plus tard. Bon, bah ça va, je te gêne pas alors. C'est cool, Ticia. Hop. Voilà. Ah, j'ai coupé un peu shorty, là. Hop. Comme ça, vous verrez mieux. Voilà ce que ça donne. Je continue. Alors, par contre, hein, vous vous en doutez bien, je coupe pas en regardant là parce que c'est impossible. Du coup, je le retourne. Voilà. Ça va tout le monde? Vous arrivez à gérer? Bon, alors c'est galère, hein. Faut qu'on arrive à gérer l'absence de commentaires. Si tu suis bien le schéma, ma bichette Mumu, tu vas y arriver, hein. Tu vas voir. C'est vrai qu'il y a des découpes, mais bon, là avec le schéma, normalement, t'as aucun souci pour t'en sortir. Que du coup finalement le schéma en blanc sur le noir ça ressort super bien. Milly, tu fais en même temps, ça va? Alors tu gères, pas trop galère. Bon, vous avez vu, en soi c'est simple, hein. Coucou Nathalie, il n'y a pas de souci. Attends, je te montre tout de suite le petit projet. C'est une petite boîte toute simple, regarde. Voilà, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Une jolie petite boîte qui tient dans la main, en moyenne 13 par 5. Voilà ce que ça donne. Adaptable du coup à toutes les occasions, puisqu'aujourd'hui je la fais en version Halloween. Ouais, en même temps, c'est pas toujours évident en live, hein, ma Mumu. Parce que du coup, répondre aux commentaires, papoter, découper, tout ça, c'est pas forcément simple en même temps. Ok, alors ça y est, ma boîte est découpée et voilà ce que l'on obtient. Merci Nathalie. Oh, Sandrine. Fais gaffe, tu vas encore me faire rougir. Ça faisait longtemps que j'avais pas rougi. Ça vous amuse, hein? Brigitte, j'ai vu que tu venais de m'envoyer un message sur Messenger. C'est trop bizarre, il y a des bugs sur les commentaires.
Il y a des personnes qui essayent de commenter, mais du coup, on ne voit pas les messages. Je suis désolée, donc coucou Brigitte. J'ai eu ton message. Ah, en pleine création de cartes de mariage, Rachel. Wow, sacré boulot ça. Hein. Alors, hop, voilà, je pense que c'est bon. Du coup, pour les personnes qui verront en replay, alors d'abord, n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous regardez en replay. Et puis, du coup, le replay, ça va vous permettre de mettre pause si vous avez besoin de visualiser un petit peu mieux le schéma. Et de toute façon, vous le savez, à la fin du live, vous retrouvez systématiquement sur le blog la fiche technique avec les schémas, bien sûr, toutes les mesures et également la liste des produits que j'ai utilisés donc pour les trois versions de la boîte. Coucou Lynn, comment ça va? Coucou du Québec. Alors, hop, voilà, maintenant je vais marquer tranquillement les plis et puis je vais prendre ma perfo. Voilà. Et du coup, je vais venir perforer donc mes languettes du bout ici. Nathalie, t'es aussi du Québec? Ah, je savais pas. Excellent. Merci Sandrine. Ça aide aussi à visualiser du coup, je trouve, le schéma papier. Pour les feuilles velours. Ah oui, exact. Elles sont très sympas, hein, les feuilles velours. Je les avais offertes. Non, c'est pas les feuilles velours, c'était les feutrines, je confonds. Mais oui, oui, les velours, elles sont super sympas aussi. Il y en a en couleur et puis il y a celle en blanc aussi qui est magnifique. Vacances courtes, Lynn, terminée par une sciatique de 10 jours. Donc en fait, j'ai eu une semaine de vacances, c'était prévu, hein. Je reprendrai peut-être une autre petite semaine un petit peu plus tard. C'est les languettes du bout, Marie. C'est les petites languettes ici et là qu'on perfore. Coucou Elsa, comment ça va ma belle? Du coup, oui, je reprendrai peut-être une petite semaine pour aller voir mon petit frère que j'ai pas vu depuis 5 ans. Qui habite au Portugal et voilà, donc je pense que je vais prendre une petite semaine pour aller le voir. En plus il va être papa bientôt, donc voilà, il me manque mon petit frère, donc je vais peut-être aller le voir. Voilà, mais c'est encore une organisation à voir. Ah pardon Nathalie, excuse-moi, j'ai pas compris. Désolée. Bah tu es d'où alors du coup? Ok, alors ça y est, ma petite boîte elle est faite. Tout simplement maintenant, je marque comme il faut mes plis. Alors encore une fois, j'y vais en douceur avec mon papier pailleté, hein, parce qu'il est un petit peu plus fragile que le papier uni de base, vous le savez. Hop, je marque les plis tranquillou. Voilà, mes petites languettes ici, je vais les coller et les rabattre à l'intérieur ici. Oui, je vais, j'espère, je pense que normalement ça devrait se faire. T'inquiète pas, tu feras un replay à ma belle. Moi je dis mon petit frère, mais il a quand même quelques années moins que moi, mais pas tant que ça. Hein. Ok, je vous montre comment ça va se présenter. Donc, je vous disais, les petites languettes, hop, elles vont être collées ici par l'extérieur sur votre petite bande ici. Ok, ça va faire ça, ça, hop, 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 et hop, ça va se faire comme ceci. Oh là là, ça flash. Je suis une émigrée en Vendée, je viens d'Île-de-France. Ok, ça marche, ça fait longtemps que tu es en Vendée du coup, Nathalie? Et puis maintenant, bah, il suffit simplement de venir poser le papier design. Donc, vous choisissez le sens de l'ouverture de votre boîte. Oui, il restera toujours mon petit frère, ça c'est sûr. T'inquiète pas, ils grandissent tellement vite, Elsa, tu vas voir. Ah, ça y est, Brigitte, je te vois. Pourquoi t'apparais maintenant? Mais c'est très bien. Je vais, hop, prendre mon papier tout de suite avant de coller mes languettes. Alors, soit vous collez tout de suite vos languettes et ensuite vous mettez votre papier design. Soit vous mettez d'abord votre papier design et ensuite vous collez vos languettes. Ça dépend si vous travaillez. Vous préférez travailler à plat ou pas. Ça c'est vraiment
comme vous le sentez. Si vous avez un morceau, enfin du papier design avec un sens, faites bien attention à l'endroit où vous allez le mettre, d'accord, par rapport à votre ouverture. Ok ? Donc moi ça va venir ici, ça ici, je vous remets les mesures à l'écran, vous avez le papier design, tiens c'est super flou, c'est magnifique. Voilà, je vous remets les mesures ici, vous avez le papier design, donc pour le dessus c'est 12,2 par 4,7. Ensuite pour les deux grands côtés ici c'est 12,2 par 2 cm. Et hop, sur les deux petits côtés, allez, rentre ici, toi. Les deux petits côtés ici, c'est le 4,5 par 2 cm. Il n'y a que en commentant quelqu'un que tu arrives à... Oh là là, c'est n'importe quoi. Hein. Nathalie, depuis 2013, j'ai l'océan au bout de ma rue. Ah oui, tu m'étonnes, ça te change de la scène, oui, c'est clair. Oh la vache. Oui, ils sont mignons, hein, les petits fantômes. Ils sont trop choux. Fabienne, c'est du vécu le papier à l'envers. Ouais, je te rassure, moi aussi. Hein. C'est pour ça que je le rappelle souvent. Alors, je vais mettre comme ça. Coucou Sandrine Brûle, comment as-tu? Je suis pas sûre de t'avoir saluée tout à l'heure. Je suis désolée, ma belle. J'espère que tu vas bien. Ça ressort super bien, je suis trop contente. Ah, ça y est, Brigitte, c'est bon. Ah bah, dis donc, compliqué, hein. Hop. Je colle ici. Oh, j'ai fait une cochonnerie. Vilaine. Voilà, je retourne ma boîte pour ma deuxième bande derrière. Voilà. Donc ça vient ici. Toc. Il me reste les deux petits au bout. On va pas mettre la maison la tête en bas, hein. Ça serait ballot quand même. Ça gâcherait un peu le truc. Voilà. C'est marrant parce qu'au début, quand j'ai préparé mes papiers pour le live, j'avais déjà découpé mon papier noir nu, tout simple. Et puis, une fois avoir tout fait, j'ai eu une révélation. J'ai dit, mais non, c'est pas ça qu'il faut que j'utilise. Il faut que je prenne mon papier pailleté. C'est l'occasion idéale. Ouais, Brigitte, il est top. Hein, ouais, c'est la première fois que je m'en sers vraiment. Et il est vraiment super sympa. Puis là, du coup, les papiers ressortent super bien, quoi. Ok, maintenant mes petites languettes, c'est parti, je les colle à l'intérieur. Hop. Là du coup, la Tombow, elle marche nickel là-dessus. Oui, tu doutais, bah tu vois, regarde Nathalie, nos réflexions se rejoignent. Oui, oui, ça colle, nickel. Alors, je vais rabattre ça de l'autre côté. Ah bah non, ça colle moins bien là. Je te dis ça, tu vois, j'ai pas assez appuyé. Hop. Par contre, sur mon doigt, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, bah c'est magnifique. J'en ai partout. Puis du coup, j'ai les petits fantômes qui se marrent. Alors, Elsa, si tu n'as pas de perfo, tu peux, tu as plusieurs solutions. Soit tu te dessines, par exemple, un arrondi et que tu coupes au ciseau. Tu peux aussi utiliser les poinçons belles courbes, il me semble que tu les as. Tu peux aussi les utiliser. Et puis tu fais un petit trou avec une perfo toute simple hein, pour passer un ruban. Tout simplement. Exact. Voilà. Alors, quand on colle les languettes, on fait attention. Alors, je vous dis une bêtise, vous voyez. La première fois que je l'ai fait avec ça, ça collait super bien. Mais là, aujourd'hui, ça a décidé de me faire mentir. Ça colle aux pattes, oui, c'est comme les aimants.
Non, non, ça coule. Le pliage, il n'y a aucun souci sur le papier pailleté. Faut juste y aller en douceur parce qu'effectivement, il est beaucoup plus fragile que le papier uni. Donc, effectivement, on fait attention à ça. Et vous voyez, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. Donc, contrairement à ce que j'avais fait la première fois et ce que je vous disais tout à l'heure, là aujourd'hui, ça a décidé de ne pas coller avec ma colle. Donc, prenez le double face si vous avez donc le papier pailleté. Il y aura plus d'assurance que ça tienne. Effectivement, Fabienne, c'est peut-être la chaleur qui fait que là, ça a décidé de faire des siennes. Voilà. Des souvenirs de papier de mauvaise qualité. Ouais, je suis assez d'accord. Je vous rassure, j'ai connu aussi. Hein. Voilà. Donc, on y va. Enfin, toujours est-il que vous voyez, c'est quand même super facile à faire. Ceci étant dit, si la colle elle a aussi chaud que moi en ce moment, c'est pas étonnant. Du coup, je peux le rajouter à mon panier. Bah écoute, Ticia, vas-y, ma belle, rajoute. Tu vois, tu l'as eu en direct. Donc, on colle avec le double face parce qu'effectivement, là, ça tient mieux. Voilà. Pour le pliage avec le coupe-papier, aucun problème. Simplement, on y va en douceur. Parce qu'il est un peu plus fragile que le papier uni, tout simplement. Donc, on n'y va pas comme des sauvages. Et puis, voilà, c'est nickel. Voilà. Hop. Donc, là, du coup, je vais me rajouter un petit bout de double face là où j'avais mis de la colle. Va être sympa, je vais m'en rajouter encore plus plein les doigts, du coup. C'est bien, le sopalin va me coller aux doigts. Ça va être cool. Hop. Voilà. Ici. C'est parti. Voilà. Je le décroche, je colle mes petites languettes et puis du coup. Ça sera presque bon. Je vous dis pas, j'en ai partout. Veux-tu lâcher mon doigt? Merci. La Mimi Cracra du scrap. C'est moi que t'appelles Mimi Cracra du scrap? Ouais, je rêve. J'y crois pas. Mimi Cracra, elle m'appelle. Si ça, c'est pas une chipie, je sais pas ce que c'est. Hein. Mimi Cracra, l'eau, elle aime ça. Par contre, la colle, elle aime pas. Allez, on y arrive. Ouais, Brigitte, exact. C'est comme le papier vélin. Il faut y aller en douceur, tranquillou. Voilà, on y arrive. Avez vu ça un peu? C'est top, hein? Maintenant, il me reste, hop, mon ruban. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai prévu de prendre donc, le ruban ici, noir et blanc, Vichy, c'est super sympa. Mais j'avais envie de le customiser un peu. Et pour ça, je vous ai déjà montré cette technique qui est super sympa. Oui, pourquoi pas, Marjack? Sinon, il existe sur des sites internet sûrement des gommes qui servent à effacer la colle, les traces de colle. Je prends mon blends, vous savez mes blends comme je les aime, Horizon de Bruyère, qui bien sûr est coordonné au papier design. Et en fait, je vais lui ajouter une touche de couleur à ce ruban. Hop. Pouf. Et il va devenir noir et horizon de bruyère. Merci, ma Fabienne. Et voilà, ça va être nickel. Il sera encore plus coordonné.
On peut même s'amuser avec celui-là à faire 1 sur 2. Bon, là, j'ai pas vraiment le temps de le faire, hein. Mais un petit carreau, 1 sur 2, un blanc, un violet aussi, ça peut être encore plus sympa. Ni vu ni connu, un nouveau ruban, exactement. Donc, je vais venir le passer. Est-ce que j'en aurais fait assez long? Oui. Je vais le présenter. Hop. Hop. Là, vous prenez vraiment la longueur que vous voulez. Voilà. Du coup, cette technique, hein, on pouvait la faire avec plein de collections différentes. Ok, Martine, pas de souci. Un violet, un orange. T'es encore plus tordu que moi, mais exactement. Du coup, on peut s'éclater. Bon, faut avoir le temps quand même, hein, de faire un carreau après l'autre, hein. Faut le dire, hein, les filles. Je passe mon ruban dans ma petite étiquette. Good luck, elle dit. Bah oui, forcément. Voilà. Hop. Et du coup, je vais faire mon petit nœud. Tranquillou. Le petit message pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est des bonbons ou un sort. C'est ce qui est dit régulièrement quand les enfants viennent sonner à nos portes pour récupérer des petites sucreries. Du coup, si c'est le cas, vous avez des enfants qui vont passer. Hop, ces petites boîtes, elles seront nickel justement. J'en ai fait trop loin. Elles seront nickel pour leur distribuer, par exemple, des petites sucreries. Hop. Là, voilà. Voilà cette petite boîte. Alors du coup, j'avais découpé ma petite citrouille. Je ne sais pas si je vais la mettre ou pas. Non, je pense pas la mettre du coup parce que celle-là, elle se suffit à elle-même, je trouve. Et c'est pas joli tout ça. La petite araignée là. Hop, la petite étiquette. Je peux rater mon nœud 10 fois de suite. Ah, Ticia, tu vas le faire faire à ton fils, ça c'est une bonne idée aussi. Je te jure. Et non, pour une fois, je l'ai à peu près bien réussi du premier coup, tu vois. C'est rare, je te l'accorde. Voilà la petite boîte façon Halloween avec le magnifique papier pailleté. Ça brille incroyablement. Je trouve ça super stylé. Je suis assez contente du résultat. Du coup, vous avez vu, hein. Alors là, pour le coup, on a deux univers complètement différents. Et du coup, j'ai hâte de vous montrer finalement la troisième version. Vous verrez. Ça, vous la verrez vendredi. Comme quoi, vous voyez, c'est exactement, ça illustre parfaitement ce que je vous disais en début de live. Un projet rapide, simple à faire. Adaptable à plein d'occasions, parce que là du coup on a vraiment les marabouts, faut cliquer sur le cliquer longtemps sur le commentaire et du coup mettre signaler ou bloquer. Merci Marianne. Le papier noir pailleté, il est sur le catalogue, le mini catalogue août-décembre, Maryse. Sur mon blog, vous aurez toute la liste du matériel avec même les références. Donc voilà, le Bonne Fête avec la pêche et tout, vraiment très sympa, un peu plus féminin. Ici, on a la version Halloween et... Et t'as tout compris, Ticia! Exactement! La version Halloween, vraiment super sympa. Je me suis éclatée à la faire, je suis très contente du résultat. Coucou Sonia! Maryse, page 53 du mini-catalogue. Sandrine, c'est une... Elle est trop forte, trop rapide. Voilà, j'adore ma petite boîte, je me suis éclatée à la faire, je suis super contente du coup, j'espère que ça vous plaît aussi. Voilà, ça y est, le live touche à sa fin, merci Brigitte. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez appris des choses, que vous avez découvert des choses. Merci Sandrine. Et voilà, j'espère que cette petite bulle était aussi sympathique pour vous qu'elle l'a été pour moi. Avec plaisir Fatou. Merci Marie, c'est gentil. Et merci à Sandrine du coup d'avoir trouvé si rapidement la page.
un adversaire redoutable pour la chasse au trésor, oui, sur le groupe des portes ouvertes virtuelles d'Harmoniscraft, du coup, j'ai relancé une chasse au trésor. Donc, une question par jour pendant 20 jours, avec à la clé un set de tampons à gagner. Voilà, voilà. De rien, Ticia. Oui, c'est déjà fini. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été là cet après-midi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si jamais vous regardez ce live en replay, n'hésitez pas à faire un petit coucou en commentaire. Il est encore possible, même après le live, de partager toujours la vidéo si elle vous a plu. Et on se retrouve dans quelques minutes sur le blog harmoniscraft.fr pour retrouver la vidéo, la fiche technique et également la liste du matériel que j'ai utilisé pour réaliser ces deux premières petites boîtes. Voilà, je vous souhaite un excellent après-midi à tous et à tous. Je vous embrasse très très fort. Pensez à moi les nuits prochaines qui vont être très courtes. Et puis on se retrouve quand même malgré tout la semaine prochaine pour un nouveau live. Voilà, je vous embrasse très 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 fort et à très bientôt.